Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Chers frères, chères sœurs, chers amis, l'islam, ma foi, ma religion. Je sais que l'islam est ma religion, mais est-ce que je connais véritablement la définition de l'islam? Est-ce que je maîtrise réellement toutes les dimensions que comporte cette noble foi? C'est ce que nous allons essayer de voir en quelques minutes ensemble. Reste bien attentif. Al-Islam, l'islam, est un dérivé du triptyque Sin Lam Mim, S-L-M, qui lui-même est un dérivé du mot S-L-M, qui signifie la paix, mais qui est aussi un des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué. Ainsi, Al-Islam, c'est quoi? Vous connaissez tous l'une des définitions, l'une des dimensions de l'islam, qui est la définition qu'en a donnée Jibril alayhi salam dans le hadith connu, où le prophète alayhi salam reçoit la visite d'un homme inconnu. Et il lui demande, « Oh Muhammad alayhi salatu wassalam, informe-moi au sujet de l'islam. » Et il lui a donné une définition qui est la suivante. « C'est que tu fasses la shahada, et vous connaissez le hadith, que tu accomplisses ta prière, que tu donnes la zakat, l'aumône sociale purificateur, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage si tu as dans les moyens. » Voilà une des dimensions de notre religion qui est la pratique, qui va constituer ta relation entre toi et ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. La shahada, d'abord, rentrer dans la foi, puis maintenir cette foi par un dialogue permanent avec ton Seigneur qui est as-salat, la prière, qui est ton dialogue avec ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Puis le jeûne du mois de Ramadan qui est pour toi, pour te purifier et pour améliorer tes défauts. Enfin, la zakat, c'est la dimension sociale de notre noble religion. Et enfin, la hajj qui te permet d'aller visiter ce lieu béni d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais l'islam, ce n'est pas qu'une pratique avec ton Seigneur. L'islam, shar'an, religieusement, c'est la chose suivante. Reste attentif avec moi. L'islam vient, c'est un dérivé du terme istislam, huwa al-istislam, qui est la soumission libre et volontaire aux ordres de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qu'est l'islam, huwa al-inqiyad wa al-istislam, c'est le fait de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que veut dire se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala? Le musulman, il se soumet à son Seigneur, c'est-à-dire il se soumet librement et volontairement à la volonté de son Seigneur. J'ai la conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a tout créé, qui a créé l'être humain, sait mieux que quiconque ce qui convient à l'être humain et ce qui risque de lui nuire. Qui mieux que le concepteur d'une invention qui a déposé le brevet connaît mieux ce qu'il faut en termes de pièces, en termes de maintenance pour son outil. Et qui donc mieux qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît mieux sa création? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Dieu sait ce qui est bon pour toi car il t'a créé. Et il sait ce qui est mauvais pour toi parce qu'il t'a créé. Ainsi, se soumettre à la volonté d'Allah, c'est quoi? C'est aimer ce que Dieu aime. Hada huwa al-islam. Voilà ce qu'est l'islam. Aimer ce que Dieu aime. Détester ce que Dieu déteste. Faire ce qu'il ordonne. Et s'abstenir de ce qu'il a interdit. Parce que je suis convaincu qu'Allah sait mieux que moi ce qui est bon ou mauvais pour moi, même si on ne le comprend pas toujours. Ainsi, cette soumission fait de moi l'être le plus libre au monde, car je me soumets à un seul être, qui est Allah, alors que peut-être tu as toi 10 000 divinités. Certains sont soumis à Dieu, ils appliquent ses ordres et s'éloignent de ses interdits, mais d'autres sont soumis à l'alcool. L'alcool est leur divinité, et ils sont soumis, ils croient être libres. D'autres sont soumis à la cigarette, et d'autres sont soumis à la haine de l'autre. D'autres sont soumis à la violence, d'autres sont soumis au jeu de hasard, et ainsi de suite. Mais le musulman qui a compris l'islam tente chaque jour de cheminer vers Dieu en essayant de s'éloigner de ce qu'il a interdit et de faire ce qu'il a ordonné. Et cette soumission fait de toi l'être le plus libre au monde. C'est par ma soumission à l'islam que je deviens libre de toutes les autres petites soumissions qui peuvent salir la pureté de mon cœur. Enfin, l'islam, c'est aussi une dimension humaine, universelle. Quand on a demandé au prophète, alayhi salam, qui est le meilleur des musulmans, l'islam, qui est le meilleur des muslimines, il répondit quoi? Celui qui jeûne le plus? Celui qui prie le plus la nuit? Celui qui donne le plus en sadaqat? Non,
Il a dit, le musulman est celui, voilà la définition du musulman, est celui dont les gens, an-nas, l'humanité, au-delà de leur foi, au-delà de leur conviction, au-delà de leur religion ou de leur absence de religion, le musulman est celui dont les gens, dont l'humanité en général, est à l'abri des méfaits de sa langue et de sa main. Voilà qui est le musulman. Celui dont les gens, quand ils te voient, ils sont en sécurité, musulman ou non musulman fussent-ils. Mais il va plus loin. Il dit, aime pour toi-même, alayhi salatu wa salam, aime pour toi-même ce que tu aimes pour les gens. En tuhibba li nafsik, li nas, ma tuhib li nafsik, li nas, jami'an, takun muslima. Et alors, tu seras pleinement musulman. Car Allah tabaraka wa ta'ala a honoré le fils d'Adam. وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Comment peux-tu porter de la haine et te prétendre musulman alors que tu as de la haine envers quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré? Bani Adam, il n'a pas honoré le musulman seulement, il a honoré le fils d'Adam. Toute l'humanité, au-delà de nos divergences et de nos différences. هذا هو الإسلام. Donc ne te laisse pas tromper par ceux qui n'ont pas compris la religion, mais va plutôt chercher la vérité auprès de ceux qui l'ont compris. L'islam, pour résumer, chers frères, chères sœurs, c'est une relation avec ton Seigneur par la pratique cultuelle. C'est une relation avec toi-même et ton Seigneur par la soumission à ses ordres, et par cela tu vas te libérer de toutes les divinités. Enfin, c'est une dimension humaine universelle où le musulman doit être comme le soleil, il doit apporter chaleur et lumière partout où il est, dans sa ville, dans son pays, dans sa société et dans sa famille. بارك الله فيكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله